Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de notre aventure sur South Park. L'anal du destin, on devait aller chez Cartman, on s'était laissé à deux maisons d'ici, hein. J'ai marché l'espace d'à peu près 20 secondes, vous n'avez rien loupé et on devait rejoindre le repère du Coon bien évidemment avec le mot de passe qui était Nick, Ta et Mère, voilà Mère. Tout simplement. Donc cette vidéo sera comme d'habitude entièrement démonétisée étant donné qu'il n'y a que des insultes dans ce jeu. Ah, allez, on nouveau. Est parti. Assieds-toi. Vas-y, hein. Vas-y, régale-moi frérot. Bien, alors, comment ça se passe sur le terrain? Bien parlé. Bon, alors écoute, je pense que tu as du potentiel, et ben, je vais te nommer acolyte ou un truc du genre. Félicitations. Je voulais juste te parler un peu de ton perso super-héroïque. Comment dire, ton perso est pourri, pour être franc. Et je crois que je vais te laisser choisir une seconde classe. Voyons quelle aptitude te conviendrait. Alors, quel type de compétences aimerais-tu ajouter à ton arsenal? D'accord. Et il y en a trois nouveaux qui sont apparus, c'est pas mal. Télépathe, comme le professeur X. Télépathe comme le professeur X, d'accord, donc il y a du heal, mettre une protection sur quelqu'un, attaquer de loin. Cyborg, on a cyborg. Un cyborg, t'es fétichiste des robots, c'est cool. Oh, ça met des dégâts un peu partout, on croit, ok. Élémentaliste. Ah, un élémentaliste comme Tornade et Capitaine Planète peut-être. Alors, élémentaliste, c'est cerveau, cerveau et soin, sûrement, heal. D'accord, ah je sais pas quoi prendre. Peut-être Cyborg pour... Moi je vais la jouer aggro quand même. Je vais la jouer aggro. On va prendre Cyborg les gars. Ok, je pense que ces deux-là pourraient bien matcher. Mais maintenant, il va falloir changer aussi tes origines. Alors, revenons à cette nuit fatidique de ta petite enfance. Cette nuit-là, donc, tu n'arrives pas à dormir. Et si tu ne trouves pas le sommeil, c'est parce que tu veux faire du monde un endroit plus sûr. Tu t'approches du miroir. Tu te regardes dans le miroir et tu te demandes si on t'aimera un jour. Et puis, tu entends un bruit, les pleurs d'un bébé. Mais qu'est-ce que ça peut être, ces pleurs? Dans ton couloir, tu vois deux mecs s'en prendre à un bébé sans défense, à même le sol. Tu veux les empêcher de faire du mal à ce bébé, hein? Tu sais que tu peux les arrêter, et tu as donc recours à ton tout nouveau pouvoir. Ok, c'est parti, les gars. Cybernétique, et tu te focalises sur ton objectif premier, protéger le bébé qui, Dieu sait comment, se trouve dans ton couloir. Qu'est-ce que tu fabriques ici, petit? Mais les intrus ignoraient que tu n'étais pas n'importe quel gamin, que des améliorations cybernétiques t'avaient doté de capacités stupéfiantes! Tu as fait la preuve de la première de ces capacités sur ta victime. Oh, c'est pas mal, ça! Ça lui offre choc, plus recul... Hey, t'as pas le droit de le repousser comme ça! Plus quelques ouais, dégâts... Quoi, ça hey, attends! Okay. La charge que tu as envoyée au premier a sauté sur ses alliés, causant des dégâts à tous! Mais il te reste beaucoup d'atouts cybernétiques dans la manche! Ça, c'est pas mal aussi, on va faire celui-ci maintenant. Bon, vas-y, lance-le, programme. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah, d'accord, il voit plus que moi. J'ai trop la rage, là. Bon, okay. Il faut bien que quelqu'un se charge de cet emmerdeur. L'intrus te balance un pain, mais ton blocage absorbe les dégâts. D'accord. Jusqu'ici, je vois... Je suis furieux, là. Les joueurs tentaient de rester à distance, mais ils ne s'attendaient pas à ton prochain pouvoir. Ok, X. Oh là là, oh bah là, ok, ça tue quasi tout le monde. Tu te sers de ton pétale pouvoir. Ah, ça, en plus, ça les ramène vers moi, d'accord, ça les aimant, très bien. C'est pas mal, ça. Pas mal du tout. Oh, mais comment ça fonctionne, les aimants? Je regrette pas pour l'instant. Le dernier des ennemis fonce sur toi. Il est temps de sortir l'artillerie lourde. Ok. Il est temps de voir l'ulti. Oh, mec, trop de la balle! C'est plus une machine qu'un humain. Et tu leur fais mordre la poussière. Tu prends le bébé dans tes bras pour le mettre à l'abri et c'est là que l'impensable se produit! Tu vois ton père baiser ta mère. Et depuis ce jour, tu dois vivre avec l'idée que, trop occupé à sauver un bébé en détresse, tu n'as pas pu empêcher ta mère de se faire baiser par ton père. C'est dur à accepter, ça, putain. Je suis vraiment navré. Je sais, tu as sûrement envie de savoir pourquoi. Pourquoi ton père a sauté ta mère, mais ça, tu vas devoir le découvrir par toi-même. Le coup des sabandes, alerte! Le coup des sabandes, alerte! Sérieux, les gars, il y a une alerte, là! C'est une alerte du coup des sabandes! Ici, le Coon, qu'est-ce qui se passe? C'est les bottes de la liberté! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rendez-vous dans la rue principale, vite! On arrive! Coon! Terminé!
Eh bien, le nouveau, je crois que tu vas avoir besoin de ces nouveaux pouvoirs. Suis-moi. Ok, les gars, nouveaux pouvoirs, ça c'est cool. Installé, je prends. Ouvre ton téléphone. Sélectionne l'application pouvoir. Je peux faire un remix des pouvoirs ou pas? Tu disposes de 4 emplacements où attribuer tes pouvoirs. Sérieux? Ok, je vois ça. Appuie sur L, un pouvoir en remplacement. Mais c'est énorme! J'adore! D'accord! Ok, donc il y a l'aimant. L'aimant est pas mal. Il y a la sono qui inflige rage, plus blocage. Et on a la cage qui électrocute. L'attraction fatale me semble vraiment pas mal. On va remplacer l'attraction fatale. Là, il y a la combustion. Ça, c'est une bonne attaque aussi. J'aime bien l'utiliser. On est pas mal, là, les gars. Hein. Là, on est gras, comme on dit. Hein. Et clairement... clairement, lui, il est mieux. Cet ulti est mieux. Il prend moins de surface, mais il est pas mal. D'accord, on est parti, les gars. Avant cela, vite fait, les costumes, parce que j'ai pas changé l'épisode précédent et c'est terrible. On va mettre ça. On va mettre quoi? Oh, non, remarque. Bien envie de me mettre comme ça, tiens. J'ai bien envie de me mettre comme ça. Non, c'est moi, j'ai une moustache. J'ai totalement une moustache. En main, on va mettre ça. Ouais, ça me paraît pas mal. Hop, ça va avec les cheveux. Et bougez pas, les gars. Il y a un truc, c'était les lunettes. Je voulais retirer les lunettes. C'était bien pour ma tenue d'Harry Potter. Ok, on est pas mal, on y va, les gars. On y va en girls et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Va parler au Koon dans le repère, c'est fait. Pas de temps à perdre, Trolduc. On y va. Et j'arrive. Attendez-moi. Par ici, Trolduc. Par l'arrêt de bus. C'est le plus court chemin. Ok, alors avance là, les gars. Avant d'aller à l'arrêt de bus, il est temps d'aller voir sur Koonstagram. Pardon, je me trompe toujours de touche. C'est terrible, j'y arriverai sûrement jamais. Koonstagram. Il est temps de voir un petit peu ce qu'il dit. Allez, le Koon et sa bande, ok. On sait où vous êtes. Avec le nouveau, je re... Ok, d'accord. Il n'y avait pas grand-chose, finalement. On va pouvoir tracer, les gars. Mon sens de Koon me titille. Les potes de la liberté sont en route. Un affrontement se prépare. Ok, on est parti, les gars. C'est vrai que la double classe, ça fait plaisir. Ouais, ça continue. Fait clairement plaisir. Vers l'arrêt de bus. Ah, ces missions d'escorte, c'est vraiment les pires. On aurait besoin... direction l'arrêt de bus, les gars. Est-ce qu'on va se battre avec le Koon? Ça serait énorme. Va vers la rue principale, Trouduc. Et tiens-toi prêt à te battre. On était censé travailler en binôme, je te rappelle, Twig. Ouais, je me rappelle. Alors quand j'ai quitté le Koon et sa bande, t'aurais dû m'accompagner. J'aime bien le Koon et sa bande. Parce que t'avais tes propres films. Mon Dieu, te voilà enfin. Il s'envoie vraiment sur la tronche. Il fallait que Super Craig sorte ses films avant de lancer Wonder Twig. Sinon, c'était pas logique. C'est tout votre groupe qui est pas logique. Parce que tu es un traître, Twig, et tu as rejoint un groupe de super traîtres. C'est vous qui avez commencé. Tout votre petit monde qui pensait qu'un traitement préférentiel serait réservé à certains héros. C'est pas nous qui avons déserté cette foutue franchise, Mysterio. Eric, il faut que tu m'écoutes. Je suis en train de te parler par lien télépathique. Sors de ma tête, Timmy. Votre franchise n'aboutira pas. Prends-toi à l'évidence, Eric. Vous êtes tous des demeurés. Il vient de nous appeler demeurés, dans ma tête. Ah ouais? Ok, espèce de fils de pute. Ah! Timmy! Enfoiré! Les mecs, occupez-vous de ces enflures. Ok, on est parti, les gars. 4v3. Il y a Timmy qui est parti. Alors, faut faire gaffe, ils ont des pouvoirs aussi. Hein. Tu vas pouvoir compter tes sutures. Ok, voilà ce qu'on va faire. Lui, je vais le ravancer d'une case. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Quelle surprise. Ok, on est pas mal. Maintenant, je vais leur mettre des goûts à tous. Enfin, eux deux déjà, pour commencer, ça sera pas mal. Quoique si je me mets là, mais je pourrais pas faire mon ulti. On va leur mettre des goûts. Voilà, donc deux cons dégoût, c'est pas mal aussi. C'est vraiment dégueu, mec. Et là, je vais faire un sort de recul sur les trois. Je suis Wonder Twig, champion de la justice. Quoi? C'est gay. C'est gay. Une seconde, je suis okay. Perdu. Il m'a mis ce que je mérite, les gars. Il m'a mis clairement ce que je mérite. T'es pas obligé d'être avec eux, le nouveau. C'est pas mal, ça. Ou alors... Non. Plus l'attraction sur le coup... On va faire l'attraction. Voilà, il a pris un coup de mon frérot. T'as jamais eu l'impression que la vie te punissait d'être aussi nul, Twig? C'est pas mal, ça. Attention, ça met des dégâts quand même. Oh là là, mais regardez les dégâts qu'il va mettre. Waouh! C'est le chemin du mauvais CM1. Calmez-vous, les gars! Et bah, dans le genre ténébreux. Oh, mais j'ai Super Craig, j'en voulais pas! Oh, c'est terrible. Voiture! Voiture!
Tu veux mourir ou quoi? Va chier, c'est la guerre civile, bouffon. Phew, c'est réglé. La voie libre. Craig, passe à l'action. Ok. Enfin, super, Craig. Là, ça va être compliqué. Comment on peut faire? On peut faire ça. Ça va attaquer les deux. Prenez ça, putain merde. Ça m'a fait plus mal qu'à toi. Ok, ça a attaqué les deux, c'est pas mal. C'est pas terminé, hein. C'est pas... Oh là, le choc, ça va me tuer, ça va me tuer, c'est conneries. Tir en ligne. Là, il attaque les deux. Hein? C'est quoi ces sorts, mec? Bon. Je vais pas me retenir. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça? Non. Si, on va faire ça. On va faire ça. Ça me paraît pas mal. Voilà, comme ça je suis juste derrière, y a pas de soucis. Il va avoir droit à prélèvement de sang. Hey mec, mollo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça me redonne 28 en vie, c'est pas mal. Je fais du bien. Ça me redonne 28 en vie, c'est pas mal, c'est pas mal les gars, on s'en sort pas mal. Ça risque d'être assez compliqué. Réfléchis bien à ce que tu fais de nouveau. Je vais prendre un heal pour moi. Hop, donc comme ça normalement il y aura juste un seul mort, mais on peut continuer. C'est là. Là tu sens que c'est un peu plus compliqué. Hein. Oh, j'ai merde, ça. J'ai besoin d'un café. Ok, je vais bien. Ok. Ok, lui je lui inflige 50 et lui 50 aussi. On va peut-être devoir s'occuper de lui. Non. On va infliger 50. Mais d'un coup de poing. Je serai pas mort en vain, c'est pas grave. Chaos dans les gradins. Ah, 50, ça comptait aussi le moustique derrière, c'est pas mal ça. À mon tour maintenant. Ok, ulti prêt. Attention. Attention, tu perds ton âge. Tu crois vraiment être dans le bon camp? Ouais. Super, okay. Pression au max. Non, ça vaut pas le coup que j'utilise l'ulti. Hop, oui, c'est terminé. Super. Pour lui. Bon, j'ai un ulti, les gars, de côté. Vous savez quoi? On va attendre qu'il y ait le frérot. Voilà, lui c'est fait. Lui il est terminé grâce à mon ulti après. Là, tu es. Allez, adieu camp, mon poteau, je t'aimais bien. Mais là c'est terminé pour toi. C'est la fin, vas-y mon cyborg. Arrache-moi tout ça. Je suis pas mécontent de cette bagarre. Allez, tu as gagné victoire les gars. On s'en est débarrassé. Oh là là, ça fait de l'XP. Toujours pas. Bon travail, c'est nouveau. Tu commences à te débrouiller. Eh hey, attends, et le Kun alors? Oh merde, venez. Kun, qu'est-ce qui s'est passé? Timmy s'est échappé? Il m'a complètement retourné la tête. Tu te sens bien? Non, sérieux, les mecs, il m'a totalement bousillé le cerveau. Ah, je l'ai attrapé, le combat s'est engagé, mais ses pouvoirs mentaux étaient trop puissants. Alors on a fait tout ça pour rien? Pas tout à fait. J'ai le téléphone portable de Timmy. Ah ouais? On y trouvera forcément un indice. Rapportons-le à la base. Super Craig pour l'analyser. Ok, on peut retourner à la base. Donc c'est bon, c'est juste à côté, les gars, pas de soucis. Allô, c'est bien le petit super-héros qui a tous ses followers sur Instagram? Tu es convoqué à la mairie. Le maire de South Park veut te parler. Ne la fais pas attendre. Aïe. Aïe, ça sent pas spécialement bon, ça. C'est parti, on va... je sais pas où aller. Où aller en premier, les gars? Où aller? Guerre civile, il y a la mairie aussi, hein. Elle est où, la mairie? Je l'ai pas dans mes missions. Inférieur à la puissance recommandée. Ah, j'ai pas assez de puissance. On va peut-être aller à la mairie, les gars, hein. On va retourner à la mairie. Je devrais prendre un niveau, je pense. Par contre, elle est où? C'est ça le problème, en fait. C'est là toute la question. C'est que la mairie, les mecs, bureau de poste, clinique, elle est là. Elle est toute à gauche. Très bien. Bon, on est parti, les gars. On va à la mairie. Et puis, on va voir ce qui se passe. Je sais pas comment je peux augmenter ma puissance. Ah, j'ai peut-être ma petite idée. Bougez pas. Bougez pas. Grâce au super artefact. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît sincère. Emplacement mineur. C'est pas mal, ça aussi. Ah, bah voilà. Ça monte à 80 grâce à ça. Collection saisonnière. Ok. Plus 4, plus 4, plus 30. Par contre, en... Eh ben, bougez pas, les gars. On va augmenter drastiquement notre puissance. Pour en savoir plus, appuie sur A. Bon, on va quand même demander à voir. Dégâts de coup critique déterminent la quantité de dégâts bonus infligés. Très bien, récupération ultime. Ok, c'est bon, stop, je sais. Aïe, 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 tu me fais un tuto de tout, c'est terrible. C'est terrible, très bien. On est plus 10 en coup critique, récupération ultime plus 15%. Dégâts d'effet d'état. Oh là là, on est bon. Hein.
On est bon puissance 80. Les gars, on est clairement dans la puissance conseillée. Mes vieux donc sont sortis faire la bringue jusqu'à 3h du mat. What the fuck? Revoir le Koun. Ok, pourquoi tu m'as raconté ta vie là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était terrible. C'était terrible. Donc la mairie pour commencer. Et après, oh, Wiz Mysterion. Tiens. Il y a déjà de la propagande à son sujet, c'est très bizarre. Ok, go la mairie, peut-être qu'il y avait un selfie avec moi. Bonjour, je suis le maire de South Park. Tu dois trouver ça impressionnant d'être ici. Bon, très bien, écoute. Tu peux peut-être m'aider. Cette nouvelle vague de criminalité n'est pas une coïncidence. Un groupe ou quelqu'un veut me faire perdre la face. Plus la criminalité augmentera, plus on demandera ma tête. Celui qui est derrière tout ça veut que je sois remplacé. J'ai besoin de gens comme toi. S'il te plaît, découvre qui est derrière cette vague de criminalité. Ma vie politique dépend de toi. Annulez tous mes rendez-vous du jour. Vous n'avez pas de rendez-vous aujourd'hui, madame. Excellent. Continue, assistant, c'est du bon travail. D'accord. Ok, pourquoi pas. Donc, j'espère que vous avez compris ce qu'elle voulait. Allez, on est parti. Repère du Koun, les gars. On va utiliser une TP rapide parce qu'on peut se TP directement devant chez Cartman et ça va être notre première. Donc on va voir un petit peu comment ça fait. Mais en tout cas les gars, très honnêtement, on avance plutôt bien. Et c'est donc les artefacts qui décident de ta puissance. Ça fallait le savoir. Fallait le savoir, qui l'eût cru comme on dit dans le milieu. Ok, il y a un truc pour se TP normalement juste à droite. À moins que ça soit... Voilà, il est juste ici, on va pouvoir aller directement chez Cartman. Vu qu'on a la flemme de faire tout ça. Je suis le plus rapide de la ville. Allez, emmène-moi là-bas. A plus de nouveau. Appelle-moi si t'as besoin d'aller quelque part très vite. Appelle-moi si t'as besoin d'aller quelque part très vite. Putain, on perd plus de temps avec ces conneries que la TP, quoi. Enfin que marcher plutôt. Allez, c'est parti les gars, on retourne dans le repère du Koun. Avec toujours ce même mot de passe, évidemment, qui est... Nick. Ta. Mère. Ah là, allez, on est parti, putain, c'est terrible. Yo ah, te voilà, Trouduc. Très bien, alors au boulot. Mec, va falloir que t'éloignes le moustique des filles du raisin. S'il fait une rechute, t'es dans la merde. Pourquoi cet assistant me dérange quand je bosse? Qu'est-ce que t'as trouvé, Super Crag? Le téléphone de Timmy contient un tas de notes à propos d'une fille qui a des infos sur toutes les activités criminelles de la ville. Quelle fille? Ça dit juste, trouver la fille avec le tatouage de bite. Quelle fille en ville porte un tatouage de bite? Je sais pas, Moustique. Mais les potes de la Liberté doivent penser qu'elle est la clé pour retrouver ce chat. Si les potes de la Liberté la trouvent avant nous, c'est eux qui toucheront la récompense. On peut pas laisser faire ça, les mecs. Il faut empêcher les potes de la Liberté d'avoir une franchise, coûte que coûte. Alors il faut qu'on trouve la fille au tatouage ce soir. Quickie a raison. Nous devons tous faire le mur ce soir pour passer la ville au peigne fin. Qu'est-ce que t'en dis, le nouveau? T'es de la partie? Eh, si tu veux rejoindre le Koun et sa bande, va falloir apprendre à communiquer. Carrément. Qu'est-ce qu'il faut avec nous d'abord? Lâchez-le, les gars. Il a eu une enfance difficile. À l'âge de 6 ans, son père a baisé sa mère. Quoi? Je suis désolé, mais il est temps de leur apprendre tes douloureuses origines. Trouduc ne fait confiance à personne parce que son père a baisé sa mère et il a rien pu faire pour empêcher ça. Mais c'est absurde! Je sais. Comment la personne en qui on a confiance peut faire ça à la personne qu'on aime? Cartman, les pères baisent les mères, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça que ça marche, grosse nouille. Nos pères baisent nos mères. Ah, d'accord. Alors ça voudrait dire que ton père a baisé ta mère, Kyle, c'est ça? Oui, mon père a baisé ma mère, c'est pour ça que je suis là. Ne copie pas ses origines, mec, c'est pas cool. Mais t'es un vrai débile mental. Chaque être humain sur Terre a eu un père qui a baisé sa mère et... C'est bon, c'est pas important pour le moment. Il faut qu'on trouve la femme au tatouage de bite. Ouais, rentrons pour nous préparer aux missions de ce soir. Allons-y, les amis du Koun. Mais quel abruti! C'est bon, respire. Je crois que tu devras affronter ce genre de sectarisme toute ta vie, Trouduc. Quand les gens ne comprennent pas quelque chose, ils s'en prennent aux autres. Ce soir, tu pourras être l'acolyte d'un des amis du Koun. Rentre chez toi et fais le mur quand tes parents dormiront. Je te ferai un topo plus tard. Ah! Retirer le costume. Bah pourquoi? Si je fais oui. Ok, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de retirer le costume? Explique-moi alors. D'accord. Guerre civile, c'est fait. Peut-être que c'est le super-héros, le nouveau. Pourquoi cet assistant me dérange quand je bosse? Ok, rentre te coucher, va chez toi, d'accord. C'est très bizarre pourquoi j'ai retiré le costume, parce que je peux pas me coucher sinon, avec ce costume de super-héros.
Peut-être parce que c'est la fin de la... Oh là, il commence à faire nuit. Va falloir que je revienne de nuit pour serrer le voleur. Le voleur qui était à droite, me semble-t-il. Est-ce que je peux pas déjà le choper, là? On sait jamais. Mec, il se fait tard. Tu devrais rentrer chez toi avant que tes parents commencent à se douter de quelque chose. D'accord, ok. Donc on peut pas, de toute évidence. On reviendra, les mecs. Le cerf-volant express pour la rue principale est presque prêt. Ok, c'est par ici. C'est par ici, direction la maison, à pouvoir faire le mur. Qu'est-ce qui te prend de parler au conseiller pédagogique? Pourquoi t'as décroché? Mais t'as perdu la tête ou quoi? Notre enfant a ressenti le besoin d'aller voir le conseiller pédagogique, ça ne te fait rien? Alors, tu lui as dit la vérité? Non, on n'a pas parlé de ça du tout. Mal gaulé! Tu vas tout faire foirer! Je n'ai pas de reproche à subir de la part d'un fumeur d'herbe! Il me faut un verre. C'est ça! Noie tes problèmes dans le pinard, vieux boudin! Oh, coucou, toi! Tu as passé une bonne journée? Je suis crevé! Je vais me coucher. Le dîner est sur la table, si tu en veux. Mais ensuite, direct au lit, d'accord? Drogué! Sac à vin! Ok, rentre chez toi. Avale ton repas. On va le manger, les gars. Oh, c'est bien triste. C'est donc ça, ma vie. C'est misérable et... si nul à chier. Ok, on y va. C'est bien triste, tout ce qui se passe. Hop, ça, c'est ma salle de bain. Ah, j'ai déjà pourri mes chiottes ou pas? Je voulais pourrir mes chiottes avant d'aller me coucher. Il s'en bat les couilles. Attendez. Ok, on peut pas y retourner. On est parti, on fait genre on va se coucher, les gars. Ok. C'est par ici. Que va-t-il se passer? C'est terrible. Mon poussin, je veux juste que tu saches que, quoi qu'il arrive, maman t'aime. Depuis toujours. Bonne nuit, mon cœur. Minuit, l'heure du crime. C'est là que les créatures surgissent. Malheureusement pour les créatures, autre chose surgit aussi la nuit. C'est le cône. Yes, nous voici en fin de nuit. Enfuis-toi de chez toi. Ok, on va remettre notre costume, les gars. On est pas mal, là. Comment je peux partir de chez moi? J'ai plus rien dans ma boîte à toys. Capitaine Diabète va t'amener à l'endroit où, d'après nos infos, se trouve la fille du tatouage de Bill. Ouais. Ok, on va essayer de se casser calmement. Oh, gentil matou. Ah, putain, merde. Gentil matou. Comment on peut partir? Oui. Ah, ça va être compliqué, cette histoire. Comment je peux partir? Comment je peux partir? Mais je vois pas, en fait. Vous êtes malade ou quoi? Alors c'est ça, le Gaol? Non! Sortez d'ici! Sortez d'ici! Ok... Ah! Ah! Qui est là? C'est qui? C'est toujours verrouillé. D'accord. Oh non! Seigneur, non! Ok, hop, un petit paix bien dégueu. Très bizarre. À moins que ça soit dans les chiottes, je ne vois pas. Comment je suis censé choper ma clé? Là, c'est compliqué. C'est compliqué, je dois trouver ma clé, les gars. Où elle peut être? Alors là, attendez, il va falloir tout fouiller. Ok, c'est par ici. Ah, yes, j'ai. Elle est là-haut. Ah, qui est là? C'est qui? Ok. Allez, on peut se casser. N'ayez crainte, car voici venir Capitaine Diabète. Ok, on a Capitaine Diabète. Oui, un gentleman aux manières affables maîtrisant le pouvoir du diabète.
Avant, je n'étais qu'un simple élève du primaire. Mais un jour, un terrible accident scientifique transforma mon diabète en pouvoir surhumain. D'accord, acolyte. On doit enquêter sur une fille qui sait peut-être où elle le s'est perdue. Suis-moi. Alors, on est en fin de nuit, ami de combat débloqué, Captain Diabète. J'ai hâte de voir ses sorts. C'est prêt. Allons-y, acolyte. Kyle habite de ce côté. Ok, on va aller chez Kyle, mais avant ça, les gars, va falloir qu'on trouve le suspect de la voiture. Enfuis-toi de chez toi. C'est fait. Suis Captain Diabète jusqu'au raccourci. En plus, c'était par ici, je crois. Yes. Salope! Tu vas déguster! Je suis Capitaine Diabète et voici mon fidèle acolyte. Ah, mais en fait, c'est lui parce qu'il était bourré. Ah, ok. Bon, si vous voulez bien me laisser passer, faut que j'achète de la bière. Je suis désolé, mais Capitaine Diabète ne peut pas vous laisser conduire. Je peux conduire, ok? Du balai! Hé, rends-moi mes clés! Vous n'êtes pas en état, monsieur. Je vais bien, ok? Regarde. Attends. Je vais bien. Ok? Donne-moi mes clés, s'il te plaît. Je vous les rendrai demain. Donne-moi ces foutues clés, petit merdeux! Ok, le combat. Donc c'était lui quand il était rebout, tout simplement, oui, les gars. Vous pouvez danser avec ça, on va voir. Arrête-le, acolyte. Ok, bouge pas, je m'en occupe, mon frérot. Oh là là, la vie qu'il a, ça va être terrible. J'ai failli tout renverser. Ça va être terrible. B, triangle, il peut foncer dans le décor. Pas mal, on va voir si la voiture... Ça réagit. Ok, ça me donne une protection. On pourrait aller au magasin tous ensemble. Toi, tu conduis. Je n'en prendrai pas la loi. Il aurait pu toucher les deux, ce con. Donne-moi mes putains de clés. Ok, combustion impeccable. À l'attaque. Maintenant que ça c'est fait, un petit triangle, ça va lui infliger du recul. C'est pas mal non plus. Voilà, donc la voiture 11, hein, elle inflige la voiture. Ok, là par contre, ça va être assez compliqué. On va devoir... Je vais devoir refaire exactement le... Oh putain, non, je peux pas. On va faire ça. On va faire ça. Ça le repousse. Et ça m'offre encore une protection. Il est pas mal, Captain Diabète. Eh, pourquoi on se bat déjà? Je me suis emparé de vos clés. T'es enfoiré! Ah, mais ça fait combien de temps que je crame, Seigneur? Ok, il est toujours brûlé. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça encore. On peut même le repousser calmement. Voilà, ça dégage à l'autre bout de la map. Recule, acolyte, je vais m'en occuper. Maintenant, on peut faire ça. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. Je suis protégé. Oh là là, et j'ai un bouclier, les gars, c'est insane. C'est insane, Captain Diabète. Il fait une tonne, ça veut dire qu'il ne peut pas se déplacer. J'ai peur que ce soit impossible. Je suis en état de conduire. Ça va... Ok. La combustion qui va réagir et mon multi qui va arriver. On va conduire vers 11h demain matin. Il est déjà 11h quelque part. Faisons de la purée, acolyte. Ok, on va faire ça. C'est pas vrai, je brûle. C'est pas mal, avant j'infligeais 9. Je vais retenir, acolyte. Maintenant j'affiche beaucoup plus. Je le jure devant Dieu. C'est terminé avec mon multi. Allez les merdes, il est fini les amis. Imperméable à la douleur. Il est totalement c'est fini. Bon, avant j'étais pas en état de conduire, mais maintenant si. Merci pour ton aide. Maintenant rends-moi mes clés. Désolé, mais je maintiens mon diagnostic précédent. Vous êtes inapte à manipuler des machines. Putain. Ok. J'ai mon ulti. C'est terminé pour toi. Désolé. On était frérot toi et moi. Mais grâce au pouvoir du cyborg qui m'ont envahi, c'est la fin. Je vais aller piquer un petit roupillon. Et après, je récupérerai mes clés. Bonne nuit, monsieur Mark. Allez, ça c'est fait, les gars. Plus un artefact. Bientôt rendu Hero 3, ça c'est plutôt cool. Ça me permettra de débloquer un emplacement d'artefact et augmenter encore la puissance. On a une mission à accomplir. Ok, on est pas mal. Et vous savez quoi? Eh ben, je pense tout simplement qu'on va s'arrêter là, les gars, Vas-y, y'a raccourci par la base de l'homme cerf-volant. On va s'arrêter juste ici, les mecs. On va s'arrêter là, je vais enregistrer. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire et on se retrouve très très vite pour la suite de nos incroyables aventures dans South Park. Des bisous tout le monde, portez-vous bien. À la prochaine, ciao.